Cinq jours après le séisme meurtrier qui a frappé le Népal, les secours continuent de rechercher des survivants. Le dernier, c'est cet adolescent de 15 ans, sorti vivant des ruines d'un bâtiment de Katmandou. Un miracle qui vient redonner un peu d'espoir, celui de sortir de ce cauchemar. Selon un dernier bilan encore provisoire, près de 5500 personnes sont mortes au Népal depuis le tremblement de terre. On compte environ 8000 blessés. Ce bébé de 4 mois maculé de poussière est un miraculé. Il a été retrouvé sain et sauf par l'armée népalaise après avoir passé 22 heures sous les décombres d'un immeuble. Les sauveteurs travaillent dans des conditions très difficiles. Ils doivent composer avec la pluie, mais aussi avec les répliques fréquentes du séisme. Dans les régions isolées, les sauvetages sont encore plus compliqués. De nombreux villages parmi les plus sévèrement affectés se trouvent dans des régions escarpées de l'Himalaya et sont donc très difficiles d'accès. Dans les zones montagneuses, nombreux sont les survivants qui attendent encore d'être évacués.